Monsieur le Président de la République, la délégation de la Conférence épiscopale du Bénin ici présente vous salue et vous remercie de cette audience que vous lui accordez en ce jour. Cette audience était attendue. Alors, les évêques ont un message à vous délivrer et après ce message, ils seront tout oreille pour recueillir tout ce que vous leur direz. Merci, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, la Conférence épiscopale du Bénin vous remercie de cette audience que vous lui accordez. Elle y aspirait, était toujours dans l'attente d'une telle rencontre. Nous vous sommes reconnaissants de cette prévenance de votre part et nous nous en réjouissons. Aussi voudrions-nous vous savoir gré de la délégation ministérielle que vous avez envoyée pour nous rencontrer lors de notre session plénière tenue du 22 au 25 octobre 2017 à Porto Novo. Vous nous permettrez, Monsieur le Président, de vous réitérer de vive voix nos voeux de bonne et sainte année 2018. Nous demandons à Dieu, Maître de la vie, de vous accorder une robuste santé, la prospérité et le bonheur pour vous-même, votre famille et les membres de votre gouvernement. Vous avez connu un sérieux accroc de santé. Nous vous avons exprimé en son temps notre proximité spirituelle et notre compassion. Nous osons croire que votre santé se consolide, mais nous vous exhortons à savoir vous ménager pour éviter d'autres désagréments. Les évêques sont particulièrement sensibles à la fronde sociale qui paralyse les structures vitales de l'économie et du développement de notre pays. Le non-fonctionnement des structures sanitaires enfreint gravement l'intégrité de la vie humaine qui est un bien sacré et inaltérable. Nous nous réjouissons que le dialogue ait été renoué avec les syndicalistes. Nous saluons votre implication personnelle dans ces rencontres. Si nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit pris en otage par quelques-uns de ses fils, nous souhaitons vivement que les discussions en cours trouvent enfin, sous votre mandat, une solution durable. Nous prions le Seigneur pour une vie sociale apaisée et nous désirons ardemment pour nos concitoyens la jouissance de leur droit à la santé, à l'éducation, à la justice et au développement à tous les niveaux. Nous souhaitons que le défi de la lutte contre la corruption, lutte à laquelle nous adhérons, soit celle de tous les Béninois. Si d'aventure quelques doutes subsistaient en vous au sujet des déclarations des évêques, il serait souhaitable qu'il y ait une rencontre avec la Conférence épiscopale du Bénin pour dirimer tout malentendu.
Les commentaires qui circulent n'engagent que leurs auteurs. Ce ne sont que des opinions isolées que les évêques ne partagent pas. En vous réitérant nos meilleurs vœux de sainte année, de réussite à la tête de notre pays, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments déférents et de notre haute considération. Soyez assurés de nos ferventes prières. Je vous remercie. Cher Monseigneur, Président de la Conférence épiscopale, chers évêques, chers pères, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de vous revoir à nouveau, surtout en ce début d'année. Je vous avoue que, comme vous, mon cœur a désiré cette rencontre depuis de longs mois. Mais comme on dit, plus longue est l'attente, plus grand est le plaisir. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre sollicitude constante, pour vos prières et pour votre ministère au service de la morale et de la paix dans la cité. Tout personnellement, je voudrais vous remercier pour vos bons voeux et souhaiter avec vous que 2018 soit une année sainte pour chacun de nous, pour notre pays tout entier et pour le monde en général. La grâce de vie s'apprécie quand l'atmosphère, l'environnement dans lequel elle se déroule, la vie, est apaisée. Et c'est pour ça que je prends avec intérêt, dans toute sa gravité, votre souhait de voir la paix sociale régner au Bénin. Je dois vous avouer, cher évêque, que j'ai parfois l'impression que votre fils que je suis, que le fils de l'Église catholique que je suis, cette appartenance ne suffit pas à elle seule pour témoigner de mon attachement à l'Église catholique. C'est vrai que dans ma fonction et dans le choix que j'ai fait de ne pas donner trop de visibilité à mon appartenance, ma proximité avec l'Église catholique, peut parfois vous causer quelques frustrations. C'est volontiers que j'ai fait ce choix pour rétablir un peu l'équilibre nécessaire entre le pouvoir exécutif et la religion, voire les divers courants religieux. Notre pays est laïque. Les pouvoirs sont laïques. Et l'appartenance de nos
élus, aux ordres, aux courants spirituels, religieux ou ethniques, doivent rester dans le domaine du privé. Et c'est pour ça que à peine au cœur, je fais souvent l'effort de ne pas exhiber de manière trop ostentatoire ce que mon cœur souhaite, ce que mon cœur veut, être souvent à côté de vous, dans vos bras. Je voudrais que vous puissiez l'accepter malgré la frustration que ça peut générer. Je voudrais vous rassurer également de ma volonté d'œuvrer pour la paix en général et pour la paix entre les religions. Comme on le dit souvent, Dieu n'a pas de religion. C'est nous les hommes qui avons chacun une religion. La foi en Dieu et l'appartenance à la religion sont deux choses compatibles, quelle que soit la religion à laquelle on appartient, vu de la position qui est la mienne. C'est pour dire, en d'autres mots, que de ma position, je dois m'efforcer de considérer que toutes les religions sont les religions de Dieu. Pour autant qu'elles prônent l'amour, qu'elles prônent la paix, qu'elles prônent la morale. J'ai parfois éprouvé quelques peines. À entendre des propos venant de certains membres éminents du clergé, tendant à faire croire que je ne suis plus de l'Église catholique, que j'ai changé de religion. Pourtant, vous avez la preuve que je reste fidèle à mon Église. Je dois avouer que j'ai des amis, j'ai des proches, des parents dans la plupart des religions, les grandes religions du pays, l'islam, toutes les religions chrétiennes. L'Église de Baname. Comme vous le savez, vous me connaissez bien, j'aime bien être direct. Et rien n'a de trop grand poids à mes lèvres. Mon souhait est que toutes les fois qu'il y a des difficultés, pour ne pas dire des conflits entre les religions, que le président de la République soit suffisamment inspiré, lui et ses proches et collaborateurs, pour œuvrer à la concorde. Notre pays, ces dernières années, a pu connaître quelques difficultés en termes de conflit entre l'Église catholique et l'Église de Baname. Je me réjouis
que depuis un peu plus d'un an, les tensions qu'on a pu observer se dissipent. Je prie Dieu que cela se renforce et je voudrais vous exprimer ma fierté d'œuvrer pour cette paix qui nous est si chère. Chers évêques, membres de la conférence épiscopale, je le dis avec gravité parce que cela m'a causé souvent des peines. Je demeure un catholique pratiquant. Mon épouse et moi, mes enfants, malgré le respect que j'ai et la protection que je dois à toutes les religions qui appellent Dieu. Et même au-delà, pour mes concitoyens qui n'ont peut-être pas de religion ou dont la croyance ne va pas dans le même sens monothéiste que le mien, j'ai le devoir de protection également. Pour autant qu'ils se comportent bien dans la cité. C'est toute la complexité, la difficulté de la fonction. Mais j'essaye de l'assumer avec efficacité comme je le peux. Et je voudrais donc vous prier de veiller sur moi, de prier pour moi, afin que je le fasse encore mieux que ce que j'essaie de faire jusqu'à maintenant. Si j'ai mis un certain temps à vous accorder cette audience, ce n'est pas parce que je suis en train de bouder ou que je vous boude, non. Les incompréhensions qui peuvent exister, qui peut avoir lieu parfois entre un père et son fils, doivent être de nature à consolider les liens. Mais je manquerai de sincérité si je me garde de vous livrer les sentiments qui m'animent ces temps-ci au sujet de la déclaration de l'Assemblée plénière des évêques du Bénin, du cadre du communiqué final, qui a sanctionné les assises du 24 au 26 janvier 2018 de la conférence épiscopale. Chers évêques, le rôle de l'Église est de veiller. Mais notre pays, si cher à nous tous, est un pays de polémique. Et la subtilité du langage peut servir la polémique si l'on ne prend garde. Elle peut nourrir la polémique si l'on ne prend garde. Le Bénin va bien. Et il n'y a pas de crise. Il y a une fronde sociale, c'est vrai. Il y a une situation un peu tendue. Mais à vouloir préserver
la paix, la quiétude, la tranquillité, telle que nous l'entrevoyons, au sacrifice de l'effort, au sacrifice des réformes, au sacrifice des exigences, une renaissance de notre pays, nous allons compromettre la paix pour les temps à venir. Œuvrer pour le développement, pour la paix durable, c'est oser affronter les insuffisances, les difficultés du moment. Se taire et avoir peur d'affronter le mal du jour, c'est préparer le chaos. C'est contribuer au chaos. Le pays va mal. Notre pauvreté va vers la misère. L'école va mal, la santé va mal. Les infrastructures, tout autant. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie électrique. Nos acquis du passé s'effondrent. Et nous nous réjouissons souvent de dire le Bénin est un pays de paix, un pays de paix. Et chacun fait ce qu'il veut. Au préjudice du développement. Ce que je fais ne doit surprendre personne puisque je l'ai annoncé. Je l'ai dit pendant la campagne quand j'ai été candidat à la fonction. J'ai dit que notre pays avait besoin d'être réformé. Et il n'y a nulle part au monde où les réformes se passent sans remous. Je crois que si nous y arrivons, que nous avons le courage d'affronter les remous qui sont inhérents aux réformes, le Bénin changera de cap. Je crois fondamentalement. Et j'espère réussir. Je voudrais vous prier de veiller sur moi. De prier pour moi. Pour que j'aie le courage d'aller au bout des réformes. Que la quête de la satisfaction du jour, que la quête du populisme, du sourire et de l'applaudissement de mes concitoyens au quotidien ne m'emballe pas. Et que les critiques, les intoxications, les injures soient pour moi signe de mérite. J'ai noté, j'ai lu que la conférence s'inquiète, a des appréhensions, mais garde l'espérance. Je retiens l'espérance. Il ne se passera rien de grave. Si parfois, nous manquons de méthode, de dialogue ou de pédagogie pour faire comprendre le bien fondé des réformes, bien parce que nous sommes des humains. Et ce à quoi je suis sensible sont les conseils quant à la méthode qu'il faut utiliser. Et j'aime bien débattre de chacune des réformes que nous proposons.
J'aime bien débattre. Je suis un débatteur, vous savez que je n'ai pas peur de défendre mon opinion sur les choix que nous faisons pour notre pays commun. Ah, que je voudrais tant que l'Église catholique m'appuie, m'accompagne dans ces choix si difficiles, mais si nécessaires pour notre redressement. J'ai noté combien l'Église déplore le pouvoir de l'argent que vous avez évoqué, que vous avez stigmatisé à l'occasion des élections de 2006-2016. Mais au-delà des périodes électorales, le pouvoir de l'argent est dévastateur. L'argent a perverti le pays. Et le manque de l'argent, comme on peut le dire ces temps-ci, l'argent ne circule plus, l'argent ne circule pas. N'est-il peut-être pas le signe que les choses sont en train de changer? Je ne voudrais pas constater un paradoxe dans vos propos. Les gens n'ont-ils pas la juste rémunération qui leur est due au titre de leur travail? Avons-nous constaté que certains sont privés de leur rémunération alors qu'ils ont rendu le service pour lequel ils sont appelés? Pourquoi l'argent ne circule plus comme il y a quelque temps, si personne n'a été privé de son bien? L'argent dont vous déplorez le mal en certaines occasions est le même qui pourrit le pays chaque jour. Notre pays est dans une situation d'inégalité, d'inéquité déplorable et grave. Nous sommes tous responsables à divers degrés de la situation qu'est la nôtre aujourd'hui. Et elle a pu profiter à certains, dont moi. Je le confesse. Je confesse ma responsabilité, ma co-responsabilité. À mon âge et pour le parcours qui a été le mien, je mentirais si je ne confesse pas cette co-responsabilité. Je mentirais si je ne confesse pas que cette situation d'inéquité, de mauvaise gouvernance depuis des décennies, ne m'a pas profité également. Mais dans la fonction qu'elle a bien aujourd'hui. Pourquoi devrais-je manquer cette opportunité de contribuer à réparer? Pourquoi ne devrais-je pas saisir cette occasion si noble de réparer? J'en ai une envie démesurée. Ma vie est faite de grâce. Je remercie le ciel pour toutes les chances dont j'ai pu bénéficier, méritées ou pas. Mais je voudrais retourner l'ascenseur, c'est pas en donnant à l'Église ma fortune. Ce n'est pas en donnant à mes concitoyens ma fortune, pour ce qu'on appelle fortune. Ce n'est pas en faisant de l'aumône, de la charité, être généreux en distribuant de l'argent. Parce que ça servira à soulager les peines d'un instant. C'est œuvrer à combattre la pauvreté qui caractérise la majorité de notre pays, de nos concitoyens. C'est œuvrer à donner l'espoir que le développement est possible. C'est œuvrer à changer les paradigmes. Nous avons besoin de nouveaux paradigmes. Nous avons besoin de nouveaux repères. Nous avons besoin d'œuvrer à donner de l'eau aux plus pauvres, à ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable.
à donner un repas par jour aux enfants qui vont à l'école, le ventre vide, pour un grand nombre. Notre pays est désormais caractérisé par les grèves. Parce que nous avons pris le goût. Ces dernières années, on peut le constater. Les Béninois, nos travailleurs, notamment les travailleurs de la fonction publique, sont devenus les champions de la grève. Et nous avons réussi à révéler jusqu'à quel point la grève peut être nuisible, dangereuse, abusive dans certains domaines. Des choses que nous n'avons pas pu constater il y a quelques années parce qu'on n'a pas été confronté aux conséquences dévastatrices de l'abus de la grève dans certains secteurs. Mais une fois qu'on l'a constaté, est-ce qu'il convient de se taire, de ne rien faire? Même si les revendications peuvent paraître parfois bien légitimes, c'est vrai. J'ai partagé avec les parlementaires le projet d'interdiction de la grève dans certains secteurs de notre vie, notamment dans le secteur de la santé, par exemple. Je l'avoue, je pense que je n'ai pas tort d'avoir partagé ce besoin de réforme, même s'il s'avère que juridiquement ou constitutionnellement, la chose n'est pas acceptable. Décision devant laquelle je m'incline, parce que je suis un démocrate. Mais je n'ai pas honte d'avoir partagé une telle réflexion. Et j'aimerais que l'Église m'appuie dans cette compréhension. La vie est sacrée. On ne peut pas utiliser la vie comme moyen de négociation. On ne peut pas utiliser la vie comme une arme de négociation. On ne peut pas utiliser la vie comme moyen de chantage. Il y a quelque temps, quand il y a eu la première série de grèves, il y a quelques mois, un ministre m'a dit qu'un syndicaliste lui a dit, quand il y aura des dizaines de morts, le gouvernement cédera. Quand il y aura quelques dizaines de morts, le gouvernement cédera. Je ne peux pas avoir entendu un tel propos et rester indifférent. Ce sont ces choses-là qui ont motivé mon adhésion à ce projet de loi. Cette arme de négociation est disproportionnée. Est-ce que nous n'avons pas l'impression que nous avons perdu les repères du sacré? Chers membres de la conférence épiscopale, l'Église a souvent été, l'Église catholique a souvent été artisan des grandes mutations sociétales de l'ère moderne. Et c'est pour ça que je disais tantôt que la subtilité du langage a un rôle. Le langage public de l'Église catholique n'est jamais anodin. Monseigneur, cher Président, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne l'ai pas encore fait, je voudrais vous rencontrer dans une séance moins solennelle, plus détendue, sans témoin, pour évoquer ces choses-là, point par point, afin que vous puissiez ouvertement, dans vos prêches, appeler nos concitoyens à la renaissance. Si je le dis, si je me permets de le dire, Monseigneur, c'est parce que je crois, j'ai l'assurance que je suis à vous, et que vous avez l'obligation d'être à moi aussi. Et vous avez l'obligation
de comprendre, de me conseiller, de me dire là où j'ai tort et là où je devrais corriger le tir, ou me conseiller sur la forme ou sur la pédagogie dont vous avez l'expertise. Je parais peut-être un peu exigeant à votre égard. Mais c'est l'exigence d'un fils à l'endroit de son père. Si je ne peux l'être à votre égard, à l'égard de qui serait-ce exigeant? Si je ne peux crier haut et fort mes peines de ne pas vous sentir me soutenir, à qui d'autre le dirais-je? Au Seigneur. En parlant, je vous regarde. Et j'essaye de lire au sourire que vous affichez par petit moment le niveau d'adhésion. Votre adhésion à mes propos, au sentiment que je voudrais faire naître en vous. Je parle avec mon cœur et j'essaye. Difficilement, c'est vrai, de trouver les mots justes. Ce n'est pas évident. C'est pour dire que si, par manque d'éloquence, les mots que j'utilise ont pu vous froisser, je m'en excuse. Mais je sais que vous savez lire dans les cœurs. Les mots, pour vous, ont peu d'importance. Quel est le sentiment que j'ai? Quel est le sentiment que j'attends de vous? Quel est le sentiment que mes propos appellent? Appartenance, soutien, malgré tout, quel que soit les reproches, quel que soit le caractère du fils. Je voudrais me rappeler des moments que nous avons passés ensemble dans un cadre privé. Ces moments m'ont laissé un souvenir indélébile. Et toutes les fois que j'ai en mémoire ces moments que nous avons passés ensemble, mes doutes s'envole. Et si j'avais les moyens, je le ferais souvent, tout le temps. C'est pour dire que je mesure combien la distance, le silence peut faire des dégâts. Je le mesure. Et je vous promets que vous me verrez plus souvent, formellement, à la maison, chez vous ou chez moi, de manière à ce que la distance n'altère plus nos relations. Je voudrais que vous m'en donniez acte. Je voudrais que vous me preniez au mot. Et toutes les fois que la charge de la fonction me ferait manquer ce bonheur, ce plaisir, rappelez-moi à l'autre. Merci. Nous vous avons écouté avec beaucoup d'attention et à la fin de votre propos aujourd'hui, vous avez livré le mot de cœur. La distance peut créer des dégâts. Et le Seigneur nous donne ce soir l'occasion de nous retrouver et d'amorcer, de renouer avec ces rencontres qui pourraient faire beaucoup de bien autour de nous et dans notre pays. Donc, je profite de cette occasion pour vous remercier
de nous donner cette occasion de nous rencontrer ce soir. Pour ma part, j'ai communié avec vous sur beaucoup de points. Et je souhaite vivement qu'à l'avenir, l'on puisse, comme vous le souhaitez vous-même, qu'on puisse se rencontrer autour des points qui paraissent importants pour l'avancement, pour le développement de ce pays. Merci bien, Monsieur le Président, pour tout ce que vous venez de nous dire. Et merci pour le temps avec lequel votre éloquence s'est transmise. Cela rassure, cela met à l'aise et permet le dialogue. Ce que je voudrais souligner, c'est quelque chose que je déplore. C'est le fait que vous voyez en nous là, rien que la religion. C'est l'impression que j'ai. Le président, quand il nous voit, il voit la religion. Mais je crois que l'homme n'est pas que sa religion. Et l'homme n'est pas que ce qu'on pense de lui. L'homme a d'autres dimensions qu'on peut exploiter. Et c'est pourquoi la distance nous perturbe un peu. Nous ne sommes pas que religieux catholiques, nous sommes citoyens. Nous avons la citoyenneté béninoise. Nous connaissons aussi ce pays. Nous allons dans les hameaux. Nous sommes capables de nous asseoir dans des fauteuils du palais présidentiel comme de nous asseoir sur des nattes avec les vieilles dans leurs hameaux, avec les vieux dans les villages et causer avec eux. Un peu comme dit Saint Paul, je suis capable d'être complètement démuni, comme je suis capable aussi de vivre richement. Oui. Alors, ce côté de l'homme citoyen du Bénin, que nous ne nous rencontrons pas pour exploiter, pour qu'il y ait des réformes, c'est d'accord. Le chef de l'État doit penser son pays, doit penser son temps. Et là, vous avez pleinement raison. Mais avant de commencer par faire les sorties, d'être rencontrés quand même, nous ne sommes pas des corps individuels, nous sommes quand même un corps constitué, et il y a aussi d'autres corps constitués. Il serait bon qu'on rencontre les corps constitués et dialoguer avec eux. Non pas les faire critiquer nécessairement les réformes, mais en parlant avec quelqu'un, on peut toucher du doigt ce qu'il pense de ceci ou de cela qui allait se réaliser bientôt. Et ça permet de rectifier le tir ou ça permet d'enrichir. Oui, alors ça a beaucoup manqué, Monsieur le Président. Et ce soir, je crois que nous vous avons rencontré. On peut dire qu'on a rencontré l'homme. On a rencontré l'homme. On l'a rencontré dans sa franchise, dans ce qui le définit. Et c'est heureux que lorsque nous nous trouvons ensemble, que nous puissions nous rencontrer et nous rencontrer au niveau des problèmes, au niveau des difficultés, au niveau de la des joies aussi. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, vous avez dit de prier pour vous. Nous prions pour vous. Hein. Chaque mois, moi, j'ai une messe pour vous.
j'ai une messe pour vous. Si vous voulez, vous pouvez toujours venir. Je l'ai dit dans le cénacle de Padre Pio. Bon, voilà. Donc nous prions pour vous. Et quand il y a les grandes assemblées de collectivités qui célèbrent leurs fêtes, eh bien, je fais prier pour vous. Donc pour cela, vous n'avez pas à marchander, à quémander nos prières pour vous. Mais la prière seule ne suffit pas. Il y a la rencontre pour concrétiser ce dont la prière est porteuse. Partagez cela. Et c'est ça qui concrétise la prière et qui lui donne son efficacité et son efficience. Merci, Monsieur le Président de la République, pour ce que vous venez de partager avec nous. Au moment où vous parliez, de temps en temps, il m'est venu de sourire. Mon sourire exprimait ma joie de vous écouter. Dit certaines choses qui pourraient paraître graves à entendre, mais qui sont pour moi sympathiques. Voilà, Monsieur le Président de la République. Quand vous avez commencé par dire que vous avez des choses graves à nous dire, j'ai dit, mais c'est tout à fait naturel entre père et fils que tout se dise de façon naturelle et sympathique. J'ai adhéré à tous les points dont vous avez voulu partager avec nous. Je voudrais sortir un peu du cadre de ce que vous avez partagé pour partager aussi avec vous trois points. Le premier point, c'est sur la sécurité. Pour vous remercier pour la nouvelle carte sécuritaire que vous avez adoptée, dont les bons fruits se font voir dans les localités les plus reculées où nous vivons avec les personnes. Merci pour cet effort. Le deuxième point, c'est à propos des réformes. Ces réformes sont à la fois difficiles et nécessaires. Vous-même, vous l'avez souligné. Je voudrais simplement vous souhaiter du courage. Le troisième point, c'est à propos du coton. Parfois, sur les routes cotonnières qu'empruntent les camions qui transportent le coton, fruit des sacrifices de nos paysans, nous voyons leurs efforts parfois parterre le long des routes ou accrochés à des branchages. Ces pertes donnent de la peine pour qui sait ce que nos concitoyens endurent sous la pluie et sous le soleil, de là une doléance. Comment faire pour que le transport du coton des champs aux usines se passe ou sans perte pour les paysans et pour le pays, ou avec moins de pertes. Merci, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, je voudrais ajouter encore aux mots qui ont été prononcés tout à l'heure par mes pères, mes remerciements pour votre mot du cœur. Vous avez parlé vraiment du fond de votre cœur en vous livrant à nous aujourd'hui, en disant vraiment votre souci de conduire ce pays. Et soyez rassurés que nous sommes avec vous pour le bien de ce pays. Même si dans nos langages, vous semblez
ne pas trouver ce soutien, nous sommes fortement prêts à donner le meilleur de nous-mêmes pour que ce pays puisse aller de l'avant. D'autant plus que les institutions que dirige l'Église dans ce pays, que ce soit les écoles, les hôpitaux, etc., c'est des lieux où l'Église essaye de mettre le meilleur d'elle-même pour que ces institutions puissent marcher. Et ce n'est que des rencontres de ce type qui puissent permettre à nous de voir concrètement comment faire pour que ces institutions puissent bien marcher. Et donc si nos paroles ont tendance à manifester quelques inquiétudes, c'est comment faire pour que les choses puissent bien marcher et mieux marcher pour notre pays. Nous avons ce souci. Donc je voudrais, à la suite de tout ce qui a été dit, que ces rencontres puissent se multiplier, que nous arrivions à accorder aussi nos idées, pour voir concrètement dans quel sens nous pouvons militer pour que ce pays puisse aller de l'avant. Je vous remercie. Je voudrais aussi m'inscrire dans la logique de remerciement. Et ce que j'ai noté en vous, de toujours, vous êtes un homme courageux. Et j'apprécie et j'accompagne votre courage. Je me réjouis que nous avons ce temps d'échange qui nous fait du bien. Tout à l'heure, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais vous avez dit que vous voulez réparer un mal, que vous ne voulez pas donner votre fortune à l'Église, non au Bénin, mais d'apprendre aux Béninois à travailler pour gagner la vie. Nous vous accompagnons dans cette démarche. Et je peux vous dire que, en parlant tout à l'heure, je me retrouve en vous, ou c'est vous qui me retrouvez, vous retrouvez en moi, puisque chaque fois que nous prenons la parole, nous disons à nos populations, nous devons travailler. Nous devons être courageux. La richesse, pour partager la richesse, il faut travailler. Pour travailler, il faut se mettre ensemble et avoir un objectif bien fixe. Je voudrais vous dire que je visite beaucoup les villages les plus éloignés. Je passe mon temps à visiter. Et quand je vais visiter ces villages, je saigne. Je saigne, ce n'est plus possible de voir que nos enfants font la classe sous l'arbre, sous des paillotes, que dans nos villages les plus éloignés, profonds, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de centre de santé. Et en cela, je vous dis, nous vous accompagnons parce que nous aimons notre pays. Et nous voulons que tous les Béninois, où qu'ils soient, aient les mêmes droits, que nous bénéficions du même bien-être que tout le monde. Et nous savons que vous faites beaucoup pour cela. Et sans ces genres de rencontres, on ne peut pas travailler dans le même sens. En venant, si vous prenez la route de Boïcon à Dassa, au beau milieu de la route, il y a un camion qui est au beau milieu de la route depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Il n'y a pas de jour où vous voyagez de Dassa à Parakou ou à Djougou. C'est des calvaires inacceptables. Nous sommes un pays digne. Et je dis, mon pays est beau. Riche, il y a beaucoup de richesses. Je voudrais aussi que chaque année, que nous comptabilisions les tonnages de maïs, d'igname, que les Béninois produisent aussi. Je voudrais qu'avec vous, que nous travaillions, que les Béninois, comme vous venez de le dire, mangent à leur faim. C'est ça. Je voudrais que le Bénin soit un pays debout. Et c'est pour cela que je me félicite de cette rencontre. Et je sais que nous sommes capables de le faire. Nous avons les capacités, vous et nous. Alors, ne vous inquiétez pas. Nous, nous nous engageons pour le bien du pays. Et nous allons vous aider à éveiller les consciences, à travailler pour le mieux-être de Béninois. N'ayez pas peur. Nous vous accompagnons. Et nous allons toujours vous accompagner par nos prières.
Bon courage à vous et que nous vivions toujours dans l'espérance d'un Bénin toujours debout et beau. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais partir d'une pensée d'Antoine de Saint-Exupéry, apprivoiser, c'est créer des liens. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et je voudrais me situer sur trois points à partir de ce que vous nous avez dit. Le premier concerne la prière que vous avez souhaité que nous puissions faire pour vous. Nous le faisons, mes prédécesseurs l'ont dit, et c'est un devoir pour nous. C'est d'ailleurs une invitation de Saint Paul qui invite, qui veut que les fidèles prient pour les responsables politiques, les chefs d'État. Donc, vous pouvez être sûr que nous prions pour vous. Quand vous avez été de passage à Port-Nouveau, je vous l'ai dit personnellement, la Cour suprême. Ensuite, vous avez parlé de la déclaration de la session de janvier dernier, la déclaration de la conférence, la déclaration finale. Et je voudrais vous dire que c'est vraiment le fruit de longues élaborations et les mots sont vraiment pesés et analysés. Et c'est vrai que ça peut prêter à confusion éventuellement, mais le travail en amont a été un travail de réflexion, de prière. Une déclaration finale se rédige dans un cadre spirituel pour éviter toutes les polémiques possibles. Et je voudrais finir par la situation socio-économique à laquelle nous sommes confrontés quand nous allons dans nos villages respectifs. Et nous voyons aussi qu'en plein cœur de nos cités, la pauvreté est là. Elle existe tant vers la misère. On voit comment les évêchés sont assaillis aujourd'hui par des personnes, des nécessiteux. Et avec la Caritas, nous essayons de faire le nécessaire, mais nous avons l'œil ouvert pour prendre en considération la situation de nos concitoyens. Et je peux vous rassurer que nous sommes prêts à collaborer avec vous pour que la pauvreté et la misère reculent dans notre pays. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute et votre disponibilité et les bons propos qui m'apaisent. Je voudrais vous remercier individuellement pour ces mots que vous avez prononcés au sujet des points que j'ai évoqués et au sujet des points qui vous paraissent nécessaires à préciser. J'ai dit tout à l'heure que je trouvais l'occasion de changer avec vous sur les sujets de préoccupation et vous avez dit, Monseigneur Garin l'a dit tout à l'heure, en vous, il n'y a pas que la religion, c'est vrai. Je le sais. Même si parfois, on a tendance à ne vous voir qu'ainsi. Mais votre ministère vous confère un rôle et une accumulation d'expérience qui servirait beaucoup et on aurait tort de s'en passer. Je voudrais vous rassurer que sur les différents que vous avez évoqués, jusqu'à la dernière intervention de Monseigneur Gonzalo, mon équipe et moi, nous avons la préoccupation d'apporter notre contribution à l'éradication de la misère pour ce qui est de notre temps. Vous savez, la tâche est difficile. Et la démocratie a quelque chose d'extraordinaire. Elle vous challenge pour ce qui est de votre mission, mais elle vous challenge également pour ce qui est
des propos de l'intoxication de ceux qui sont vos compétiteurs et qui attendent que vous débarrassiez le plancher vite, ou en tout cas ou tôt ou tard. Et il faut consacrer le temps à ces deux défis. Travailler au quotidien pour ce qui est de notre mission, mais également pouvoir répondre à l'intoxication ou démentir. Mais malheureusement, jusque-là, nous ne trouvons pas le temps de répondre aux intoxications ou aux mensonges, parce que ça risque de nous prendre plus de temps que ce pourquoi nos concitoyens nous ont fait confiance. J'évoque ça pour dire ceci. Un syndicaliste m'a dit: tout ce qui se passe est de votre tort. Vous vous taisez un peu trop souvent sur ce qu'on diffuse à votre égard au sujet de ce que vous auriez fait, vous-même, vos amis, vos parents, ceci. Et cela impacte un peu trop négativement nos populations qui sont moins réceptives à vos réformes, à votre travail, à ce que vous faites. Et ouvre le champ à la manipulation politique. Vous avez tort de rester silencieux sur ces choses-là. Et il convient de temps en temps de répondre. Et j'ai dit hier que je prenais acte de cela, que nous ferons l'effort de le faire. Je sais que le clergé catholique, vous qui veillez, vous pouvez être aussi parfois intoxiqué. Parce qu'on dit tellement de choses. Les gens sont payés pour travailler à cela. Chaque semaine, il faut créer, inventer le message, l'intox, et le diffuser. Et parfois, ça paraît tellement vrai, parce que c'est bien fait. Ce n'est pas de l'imagination. Nous le savons, je le sais très bien, je connais même ceux qui sont à la charge. Mais c'est aussi ça, la démocratie. On dit tellement de choses. Quand ce n'est pas tous les marchés publics qui sont captés par le président ou ses proches ou ses amis, c'est les stations d'essence qu'on voit fleurir ici et là, qui sont la preuve que le président, avec les ressources publiques qu'il prend pour son propre compte, fait des investissements osés. Quand des citoyens ont le mérite de créer des stations, on dit, noir sur blanc, que les stations appartiennent au président. Et même mes propres parents m'interpellent dessus. Mais est-ce que, mon fils, tu as encore besoin de faire ça? J'ai dit, mais de quoi il s'agit? Mais ces stations que tu es en train de créer là, qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai dit, mais je n'ai besoin de créer aucune station, ça ne m'appartient. Ah, mais tu sais ce qu'on dit, on dit que ce sont tes stations. Et qu'on sort. Monsieur l'a dit hier, il faut pouvoir parfois le démentir. Il y a eu un accident de route dans lequel le fils québécois a trouvé la mort. Et on dit, le camion en cause est celui d'un ami, d'un protégé du président. Jusqu'où va l'intox? Ça paraît banal, mais c'est une œuvre de sabotage organisée. Monsieur, vous avez parlé du coton qui traîne le long des voies, qui fait mal au cœur. Mais vous constatez également que ce sont des épaves de camions qui transportent le coton.
le parc de camions dans notre pays, je ne sais pas s'il faut appeler ça des EFAB, chercher un mot plus fort, ce sont des engins roulants qu'on peut qualifier de tout sauf de véhicules ou de camions. Et il n'y a que ça dans le pays. L'activité de transport est une activité économique importante pour le pays. Elle concerne beaucoup de gens, elle est utile. Mais notre pays est un parc de vieux camions. Et quand un camion a fini sa vie quelque part, il vient au Bénin pour un sou et est mis en service sur une voie. Un peu comme les régimes précédents ont exonéré des droits de douane, la TVA, l'importation des motos pour assainir notre environnement et permettre l'acquisition de motos neuves à 4 ans, ainsi qu'il a été fait également pour les bus à usage de transport en commun, nous avons décidé également d'exonérer des droits de douane les camions neufs à l'importation pour favoriser le renouvellement du parc automobile lourd. C'est marrant de voir sur la toile, journaux, que cette décision a été prise au bénéfice exclusif du président de la République et des siens. C'est parce que les siens ont une société de transport qui veut acheter des camions, qu'ils ont acheté des camions, même dans le nombre, ils ont acheté 30 camions neufs pour profiter de cette exonération. Certains m'ont même dit hier que dès que ça a été fini, on a refermé, on a supprimé à nouveau cette exonération. Mais moi-même, j'ai été intoxiqué. Parce que quand j'ai lu, je me suis dit, mais ça vient d'où ça encore? Moi-même, j'ai été influencé par ces choses-là qu'on fabrique tout le temps, toutes les semaines, et qu'on diffuse. Ça montre combien. Parfois, c'est une épreuve. Et il faut vraiment avoir le courage. Mais notre détermination pour agir est sans réserve. Monseigneur Ngaye, je sais combien l'Église, quand je dis l'Église, je parle du clergé, combien vous qui parcourez les hameaux, qui êtes au courant des réalités de notre pays, plus que même les gouvernants. Je sais combien vous pouvez apporter dans la discussion, dans les échanges. Et comme je disais tout à l'heure, nous allons non pas manquer de renouer afin que nous puissions nous inspirer de d'autres expériences du terrain. Mais je veux préciser une chose. Notre programme d'action de gouvernement, les mesures que nous avons envisagées prendre, les réformes que nous envisageons de mettre en œuvre, ces mesures ne manquent pas de réflexion, d'études, et parfois il est difficile pour nous d'attendre, de communiquer avec un grand nombre avant de les engager. Parfois c'est difficile. Parce que le reproche est, vous n'êtes pas le seul à nous le faire, c'est constant. On nous a dit, mais vous ne pouvez pas transformer la société béninoise contre les Béninois. Il faut les associer aux réflexions. Nous avons fait une expérience. C'est celle de la révision de la Constitution. Il y a eu beaucoup de concertations parce que nous sommes quand même riches en réflexion, le Bénin. Et à vouloir échanger avec tout le monde, sur des sujets qui relèvent de nos prérogatives, parfois ça empêche d'avancer. Ce n'est pas pour dire que je ne suis pas réceptif à votre disponibilité, mais c'est pour dire que parfois, il faut nous le concéder que sur certains sujets, on ne prenne pas le temps, on n'ait pas l'occasion de changer avec les uns et les autres. Notamment même avec des gens qui
ont la conviction, l'assurance qu'ils ont quelque chose de pertinent à apporter. Parfois, il ne nous est pas possible de le faire. Je reviens sur l'exemple de la réforme sur le retrait du droit de grève. Si c'est à recommencer aujourd'hui, je ne sais pas si je ferai le débat avec les uns et les autres. Je ne sais pas. C'est un sujet difficile, complexe, à controverse, et qui peut également compromettre même ceux qui émettent des opinions là-dessus. Ça peut même les compromettre, sauf si l'opinion est donnée sous cap. Il y a des choses dont il faut porter seule la responsabilité. Même au sein du gouvernement, parfois, les échanges sont difficiles. Mais les réformes les plus pertinentes, qui parfois sont impopulaires, ne sont jamais l'objet d'un consensus. Jamais. C'est simplement pour vous prévenir que, malgré mon engagement d'échanger, de vous consulter souvent, d'être plus proche de vous, pardonnez d'ores et déjà. Si parfois certains sujets ne vous ont pas, ne vous sont pas soumis, parfois. Je ne voudrais pas que il nous l'a pourtant promis, il ne tient pas ses engagements, non, j'essaierai de le faire. Mais parfois, permettons-nous déjà de, même sur les sujets qui nous concernent tous, qui concernent notre vie commune, que nous puissions avancer. Parfois forcer un petit peu. C'est notre rôle, c'est le mandat qui est le nôtre. La prière que je fais le matin, c'est d'avoir la clairvoyance qu'il faut pour que les arbitrages que je suis parfois amené à faire soient bien inspirés. Les domaines dans lesquels nous avons pu par nous-mêmes constater que l'effort est en train de payer dans le domaine sécuritaire, ce n'est pas sans écueil. Il reste beaucoup à faire. La justice, dernier point parlé depuis, je voudrais l'évoquer avec vous rapidement, est depuis quelque temps également de nos talons d'Achille. Et vous savez que elle ne va pas bien. Vous savez très bien. L'argent également fait beaucoup de dégâts là-bas. Si ce n'est les grèves, le défaut de fonctionnement, les dossiers qui dorment, c'est vrai, il y a aussi un problème de manque de personnel. Mais pour amener des investisseurs au Bénin, afin qu'il y ait de l'emploi, davantage d'emplois, il faut que l'environnement judiciaire soit viable. Ce n'est pas le cas. Ces choses-là, est-ce que l'Église peut parfois avoir le courage d'en parler ouvertement? Parce que vous savez que ça ne va pas. Autant vous avez interpellé les uns et les autres au respect des décisions de la Cour constitutionnelle, comme pour insinuer que l'exécutif doit respecter, le pouvoir doit respecter ce que la Cour a décidé dans le cadre des droits de grève dans le secteur de la santé et de la justice. C'est un peu ça. Quand on lit, on voit bien. L'invite n'est pas destiné au commun des citoyens, non. C'est à nous que c'est adressé. C'est très bien, parce que c'est notre sacré. Les décisions des juridictions du genre, notamment de la Cour suprême, qui sont les juridictions de dernier recours, sont à respecter. Mais l'invite, dans le communiqué final, ne prête à aucune confusion. C'est adressé à l'exécutif, au Parlement, en tout cas ceux qui ont porté le projet. C'est une façon de prendre parti, mais ce n'est pas mauvais, puisqu'on peut prendre parti, comme je disais tout à l'heure. On n'a pas besoin d'être neutre, nous vivons dans la cité et la vie de la cité nous concerne à tous les niveaux.
Et c'est pour ça que je dis, de la même manière, vous pouvez également mettre le doigt sur ce qui ne va pas, comme vous l'avez fait pour l'argent. L'argent est devenu un mal. Mais c'est trop anonyme. Vous pouvez parfois aller plus loin. En parlant ouvertement du chantage qu'on fait avec la vie dans le domaine de la santé. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire peut-être qu'il ne faut pas que vous preniez parti pour retrait de la grève ou non, mais que ce n'est pas bien. Et l'Église est écoutée. Ce que je veux dire, c'est que sur les différents points que vous avez évoqués concernant la vie, on essaie d'échanger sur tel ou tel point. Moi, je serais très à l'aise. Je serais ravi de voir l'Église se prononcer sur certains sujets difficiles. Comme l'Église le fait dans beaucoup d'autres domaines. L'Église se prononce sur l'avortement. L'Église se prononce sur des sujets complexes. Le pape même ose le faire. Je suis l'influence de préservatif. Il faut que les questions qui nous préoccupent, nous tous, sur lesquelles nous partageons les dysfonctionnements, nous savons que tel ne va pas, tel ne va pas. Si vous en parlez, ça facilite la tâche aux gouvernants qui ont parfois la vocation d'agir. Je vais finir par vous prier. S'il vous arrive de constater que les démembrements de l'État agissent parfois pour la paix, et leur comportement peut parfois donner l'impression qu'il y a un parti pris, je voudrais vous prier de ne pas croire que l'exécutif peut être au service d'un courant religieux contre un autre, sincèrement. Parce qu'il y a eu, l'année dernière, quelques événements et les commentaires qui nous sont parvenus m'ont fait croire que on a pensé que le gouvernement ou bien la police a pu être impartial en ce moment. Ce n'est pas du tout le cas. Il se pourrait que parfois il y ait du zèle dans les actions de l'administration. Mais nos consignes sont suffisamment claires dans ce domaine et parfois ça me peine bien. Je l'évoque parce que je souhaite, dans les échanges, dans mon comportement au quotidien avec les uns et les autres, que je puisse aller vers les uns et les autres sans craindre votre regard. Vous restez dans mon rôle. Parce qu'actuellement, et c'est que vous me comprenez, je parle à demi-mot, la crainte de vous décevoir fait que je ne fais pas tout ce que je devrais faire à l'endroit des uns et des autres. Tel que je viens de vous recevoir, j'ai des demandes d'audience concernant un grand nombre de personnes religieuses. Je voudrais le faire aussi, pour montrer que nous sommes là au service de tout le monde. Et ce faisant, nous allons davantage contribuer à la paix. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup et j'espère que dans les semaines, les mois à venir, ce sujet ne me préoccupera plus parce que j'aurai compris que vous m'avez bien compris. Cher Monseigneur, la rencontre de ce soir a pour moi un goût de quelque chose qui nous est cher, de nouveau départ. Je le crois vraiment. Je crois que j'ai donné la preuve de mon appartenance sans réserve à l'Église catholique, même si dans ma fonction je suis laïque. Et laïque ne veut pas dire sans croyance, sans foi, sans religion, ou bien. Moi, c'est ma compréhension.
chers évêques, la rencontre de ce soir me donne l'occasion de repartir autrement avec vous. Vous pouvez me prendre au mot, parce que moi aussi, moi, je vais vous prendre au mot. Et j'aimerais, c'est une requête, que à tout moment, si vous avez l'impression que quelque chose dérape, invitez-moi, appelez-moi, je viendrai échanger avec vous. Certains mots, il faut mieux le dire à deux que de le dire publiquement parce que les esprits mal intentionnés le prennent autrement. J'ai lu un document au vitriol qui a repris le point 4 de votre communiqué final. Et la transition a été faite intelligemment. Parce que c'est des gens de belles plumes qui l'ont rédigé. Et quand on prend le document et on prend le communiqué final, on voit une certaine harmonie. On voit une convergence de points de vue. Et ça donne l'impression, d'autant que le document évoque bien le communiqué final, on voit bien que, dit autrement, de manière plus courageuse, ce qui est dit au vitriol n'est en fait que notre façon de dire ce que la conférence a révélé. Moi, j'ai noté, pour finir, que la distance fait des dégâts. Je ne laisserai plus la distance nous faire du mal. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu nous accorde sa bénédiction tout le long de l'année. Qu'il vous protège, qu'il vous donne bonne santé, qu'il veille sur la santé de Mgr Viera et que nous puissions nous voir en pleine forme tout au long de l'année et que nous puissions, à la fin de l'année 2018, partager la joie et l'espérance de rentrer dans l'année 2019 avec la même forme, la même joie de vivre et un peu de satisfaction de ce que nous aurons fait ensemble dans l'année 2018. J'ai espoir donc que nous allons ensemble, vous m'accompagnant, me soutenant, nous allons faire évoluer les réformes que vous partagez.